350 personnes ont pris d'assaut la salle Kodjo et bouclée ce mardi pour assister à une session de slam, une discipline peu connue du millier des festivaliers du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui, à travers sa 10e édition, permet aux jeunes de se frotter aux professionnels de l'art oratoire. Les poésies, les poèmes qu'ils ont tous récités, ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup apprécié le spectacle des slameurs parce que j'ai ressenti une émotion nouvelle. Venu du Cameroun, le slameur Marc Alexandre et ses amis ont fait voyager à travers des vers et des rimes le temps d'un slam, le public qui a pris d'assaut la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture. Dire à ces jeunes gens qui sont venus aussi nous voir tout à l'heure que la vie, ça peut être aussi ça, c'est oser, oser ses causes primordiales. Et que nous avons tous un rêve, un poème en nous, que nous portons. Et ce rêve, ce poème, c'est une cause primordiale et nous devons nous battre pour ça. Le slam qui dérive de l'anglais slam poetry, qui signifie claquer, est un genre de lecture de poèmes à la fois moins élitiste et moins ennuyeuse, né à la fin des années 90. Il est aujourd'hui un moyen d'expression de la jeunesse africaine en particulier. Il s'agit tout simplement de visiter, de revisiter ou revisiter des textes d'auteurs francophones, donner du sens aux textes, faire vivre en fait les textes et donner le goût de la lecture aux jeunes, aux adultes, aux hommes, aux femmes. Le thème de ce 10e Massa, quels modèles économiques pour les arts de la scène, offrira jusqu'au 17 mars prochain à Abidjan et dans les autres villes du pays plusieurs ateliers et prestations d'artistes.